la domination du PSG d'un point de vue comptable et l'écart qu'ils ont réussi à mettre avec ses poursuivants ne reflète absolument pas la domination dans le jeu et sur le terrain. Donc ça a été, où ça a souvent été laborieux et souvent été caché par un très grand joueur, le meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé. Donc l'enjeu pour eux, bien sûr, sera de le conserver, mais surtout de construire un collectif autour de lui plutôt qu'une équipe de stars et d'individualité autour de lui. Donc Kylian, on t'aime, reste dans le championnat de France, et j'ai envie de lui dire tu peux être le roi de France en faisant gagner le PSG, tu restes sur un échec, t'es un compétiteur, ne pars pas. Fais gagner Paris et tu auras le temps après dans ta jeune carrière d'aller parcourir le monde et les plus grands clubs du monde.